Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve du coup pour la mission où on doit prendre le contrôle du point d'entrée. Alors du coup on s'était arrêté où j'avais tenté d'utiliser le combo IEM et piratage avec un succès inexistant, on va dire ça. J'ai fait quelques essais supplémentaires et vraiment j'arrive pas à utiliser cette combo. Donc je pense que je fais pas bien comme il faut, il y a un truc que j'arrive pas. On va essayer de les garder proches, les deux, pour qu'éventuellement, si l'occasion se présente, on cale ça. Mais l'approche fufu, avec piratage en plus, avec les véhicules derrière, en soutien, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc on va se concentrer un peu sur la mission quand même. Ah, du coup, j'ai dû recommencer, hein, parce que je me suis fait pouiller la face, je pense que c'est ce terme-là. On va se relancer dans la mission. Donc, l'objectif... Nettoyer cette zone. J'entends un tir. Toi, t'as une portée assez élevée avec ton SWO là. Putain, il nous a shooté. Nettoyez-le, parfait. Le petit tir bien placé. Alors, on va tout de suite sortir l'infanterie. On va avoir besoin d'elle. Bon bah toi du coup tu t'es pris un petit tir mal placé, donc vas-y. Niveau vision ça va, on voit du monde. Là on répare, on va progresser avec toi et on va lâcher la... On va essayer de prendre les bâtiments avec nos unités d'infanterie. Alors peut-être se mettre au sol quand même. Ce serait plus propre. L'objectif c'est d'avoir de la vision sur toute la zone qu'on doit prendre, parce qu'il y a des petits trucs sneaky qui peuvent toujours s'infiltrer et nous tirer dessus de loin. Notamment des anti-chars si jamais ils ont là, des copains à eux qui leur donnent la vision. Par exemple des homoncules qui traînent. Alors ici on a quoi? C'est les mêmes que ceux-là. Donc ceux-là ils ont du SWO. D'ailleurs on dirait bien que c'est celui-là. Non, il a un truc dans le dos, il est en train de le sortir, il est décédé. Excellent. Parfait. Au sol. Allez-y, avancez. Vous avancez, vous avancez. Pour le moment, on va garder les ATGM de RAB rangés. Qu'est-ce que vous foutez, toi ? Vas-y, recule. Il y a du monde là. Hein. Il y a du monde. On pourrait poser notre tourelle là, en vrai. Voilà, maintenant, s'il te plaît, tourne-toi un peu mieux que ça, parce que c'était un petit peu ridicule, cette manière de bouger, là. Ce bâtiment-là, on peut pas le prendre, donc ils sont pas vraiment dans un bâtiment. Ils sont juste protégés, mais pas réellement dans le bâtiment, là. Ah, là, il y a de nouveau un SWO. Et c'est toi. Ah oui, il y a deux mecs ici. Il y a la portée là pour tirer. Putain, il y a la portée pour tirer. Il tire sur quoi? Ah, sur la tourelle sûrement. Défonce-nous ça. Toi, c'est pareil. Voilà, avance un petit peu pour encaisser. Ah putain, c'est lui qui s'est pris... qui s'est pris le missile dans les fesses. Ouf, la petite nuée qui picote. On a perdu personne dans les squads là. Mais ça a piqué. Ok, reculez un peu. Là, eux, du coup, ils sont obligés de sortir. Au sol, les ATGM. Rendez-vous par là, il y a quelque chose qui nous tire dessus avec un gros canon, là. Yep. Faut l'allumer. Pareil pour vous, au sol. L'ATGM qui se rate, hein, pas cool. Ça explose de nouveau, là. Il y a des nuées. C'est bon, c'est fait. On a moyen de faire venir des réserves. Go. Il nous faut du renfort. On peut faire venir une artillerie. On va la prendre, même si je pense que ça va pas être utile. On peut faire venir un char. On va faire venir... tac, tac, tac. Poilu-1. Ouais, Poilu-1 avec ses gros canons. Véhicule de combat, c'est du Bradley, du coup. Ou éventuellement une plateforme, mais je pense que du Bradley, dans le contexte, sera... plus intéressant avec un blindage tant qu'à faire contre Légion. Ouais, c'est ça, c'est le céramique qui est utile contre Légion. C'est parti.
Du véhicule léger, ça veut dire qu'on peut faire venir de la tourelle, et notamment de l'obusier. Là, non, on pourra pas. Non, on peut en faire venir un. On peut faire venir notre petite artillerie légère également. Et après, du transport blindé. C'est parti. Alors, on va faire un tour quand même des munitions. Là, ça va. Là, on est pas mal. C'est pas pire. Le carburant, c'est bon. Le carburant, c'est pas ouf, mais ça va le faire vu la map sur laquelle on est. Ok, très bien. On va mettre du monde là-dedans. On va prendre une escouade d'armes lourdes, deux escouades d'armes lourdes, je pense. Et pour finir ça, du sniper pour mettre dans les... On n'a plus de place, très bien. Du sniper pour mettre dans les bâtiments. C'est parti. Alors là, il y a un véhicule qui apparaît, un véhicule de type... Spider anti-char. Ouh, ça, ça pique. En plus, notre taux est immobilisé. Vous... Shootez-moi ça. C'est la priorité. Avant qu'il tire, de préférence. Vas-y, vas-y, shoot-le. Ah d'accord, le taux embarqué est vachement plus rapide, quoi. Excellent. Bon, bah, parfait. Là, on répare. Vous, vous allez attendre là que ça se réchauffe. Hein. Vous, vous allez là. On a une autre tourelle ici qu'on pourrait avancer. Donc là, on a notre petit Bradley de renfort. On va le placer ici. Alors, la tourelle, ça c'est un obusier. Celle que j'ai posée là, c'est pas un obusier. Ça c'est pas un obusier. Ok, donc éventuellement on pourrait progresser. On va avancer. Toi t'as pris un peu. On va réparer. On va avancer avec l'Abrahams jusqu'ici. Et avec vous, vous allez vous mettre par là pour qu'on puisse vous mettre dans les bâtiments. L'artillerie, voilà, laissez-la. On pourrait peut-être même... On va progresser avec l'artillerie là, mais ça serait bien de laisser un peu de trucs pour nettoyer, pour protéger derrière. Toi, en termes de portée, t'es quand même plutôt central, mais ça serait bien qu'on te mette un peu plus à l'abri. On va aller te déposer là. Et on va aussi aller mettre... Enfin, après, le problème de lui, c'est quoi, voilà, il a une portée minimale, donc il vaut mieux qu'il soit le plus proche possible de l'entrée du champ de bataille. Donc on va quand même le laisser là. On va tâcher de détacher quelque chose pour aller le protéger un peu. Peut-être cette tourelle, hein, ferait le taf, au final. On va aller la déposer là. Là, on répare, là, on répare, là, on prend la zone. Vous... Progresser jusque là. Vous vous soignez un peu. Ah, on voit du monde. Une spider anti-aérien. Et là, une plateforme de transport armé. Ok, c'est nos rangers là qui nous donnent cette vision. Ça c'est parfait. Ouh, c'est pas tombé loin. Et on snipe le transport armé là, sérieusement. J'ai entendu un tir de snipe laser. Les mecs, ils ont pas peur. Il y a des homoncules qui arrivent là. J'entends un taux. J'entends un taux. Ok, elle a passé le... Ok, il a passé le croisement, donc... On s'est pris un lampadaire avec notre taux. La saloperie. Là, vous vous rentrez là-dedans. Lui, il a fait demi-tour, il va déposer son truc. On va mettre ça par là pour avoir un peu de puissance de mitraillage. Donc on va le mettre par là, plutôt. Toi, t'es bien placé. Toi, tu te répares. Toi, t'es en état. Toi, tu vas poser ton truc là où on t'a demandé de le poser. Alors, ici, tout le monde dehors. Hop. Dépose tout le monde là. Voilà, parfait. Je veux un sniper là-dedans. Une escouade là-bas, une escouade là-bas. Et vous, là-bas. Vous là-bas, là on va se la faire, parfait. Vous commencez à courir, vous pointez, vous pareil. Avec le Bradley, on va progresser également. «
Ouf, les Trasma ils se sont pris une petite tatane là. On souffre un peu là. Ça devrait aller mieux dans pas longtemps. Eux ils se mettent en position par là, ils vont couvrir cette avancée ici. Il y a du trajet encore hein, pour arriver tout là-bas. Donc on va pas pouvoir non plus laisser l'intégralité de nos troupes dans le coin. On laisse un petit peu les tourelles. Toi tu es capable d'artillerie jusque là-bas, ça me va. On va te laisser en soutien ici. Là, faut réparer maintenant que vous êtes dedans. Toi tu vas aller te planquer un peu derrière les bâtiments avec ta copine au busier. Toi je veux que tu viennes jusque là. Ça y est, ça c'est fait. Là on n'a pas de pièces de rechange, ouais, ouais, ça c'est problématique. Ici on a beaucoup, ça nous laisse beaucoup de monde ici, ça me plaît pas trop. Hein. Vous, on va vous laisser vous soigner deux secondes, mais on va vous faire avancer je pense après. Les snipers ils vont aller là. Est-ce qu'ils peuvent monter sur le toit? C'est pas dit. Non, c'est pas dit, donc non, restez là en fait. Vous serez très bien. Allez, vous vous avancez. On y va un peu agressif. Là, est-ce qu'on peut prendre un bâtiment? Il y a ce bâtiment-là, sinon c'est des ruines. Avancez donc. Ok, on voit du monde. Des loups. Et rien d'autre. Ok, très bien. C'est parfait. Toi, t'es étalé. Là, on a un petit peu d'artillerie. Toi, tu protèges ce petit endroit, de même que toi. Ok, bon. C'est pas sûr qu'elle soit utile ici, la plateforme, mais s'il y a des machins qui arrivent là pour prendre nos arrières, je veux avoir quelqu'un sur le chemin, on va dire. Rentrez là-dedans, vous. Oula, c'est quoi qui tire? Ok, c'est artillerie. Quoi? Sérieux, une attaque nucléaire, quoi? Ok, très bien. Ah, le missile nucléaire. Ah ouais, d'accord. Alors on a perdu quelqu'un ici. À cause de cette connerie là, sérieusement? Ouais, c'est vrai qu'il s'était un peu avancé. Merde, du coup il a laissé quoi devant? Il a laissé quoi au sol le SWO? Faut me le tuer maintenant, voilà. Récupérer l'armement s'il vous plaît. Du coup maintenant, on peut aller tout là-bas. Ah oui, carrément, on va pouvoir progresser du coup. Parfait. Du coup, bah vous... Viens lâcher tes troupes là, avec le Bradley du coup on va avancer un peu, et du coup bah, on va reprendre nos tourelles. Toi reprends ça. Non, toi reprends ça, toi reprends ça. Voilà. Bah, là on a quoi comme portée? Jusque là, ok, donc ça va nous permettre d'avancer, mais il faut quand même qu'on soit prêt à progresser. Là, il y a une zone de danger. Ah, là, il y a une entrée, là. La saloperie. D'accord, intéressant. Si on se mettait en face, on serait pas mal, je pense. Vous prenez ça. Vous prenez ça. Ah, on va avancer avec le Bradley. Histoire d'éclairer un peu ce qui pourrait avoir envie de nous emmerder. Et du coup, sur ce flanc, il va falloir qu'on se rabatte par là. Et là, il y a une grosse zone de danger ici. Ok. Il y a d'autres zones de danger, là il y a une espèce de tour. Et il y a une zone de danger là, d'accord. D'accord, d'accord. Là on va attendre pour avancer que nos mecs soient en position. Là on va ramasser ça, donc vous deux. Commencez à contourner le truc là, placez-vous par là. Là on ramasse le... c'est quoi le SWO du coup? Yes. Venez par là. En courant, tant qu'à faire. Vous allez prendre ce bâtiment, puis après vous irez prendre celui-là. Là, il y a des feux de signalisation qui sont un petit peu tombés. Ça tire. Qui tire?
quel angle? Là, il a tiré à travers le bâtiment, excellent, par le rez-de-chaussée cassé. Et ça va se prendre la suite. Ça va se prendre la suite, c'est quoi? C'est une LRM. Ouh, attention à l'infanterie. Toi, avance. Toi, laisse le champ libre. Toi, calme tes taux. Avance plutôt par là. Ok, il s'est pris un tir de l'Abraham, c'est terminé. Ouh, par contre là, ça va piquer ça. Ok, très bien. Il va falloir que toi t'avances. On va peut-être avoir besoin de tes taux finalement. Viens par ici, planqué derrière les bâtiments et prépare-toi à l'allumer. Et probablement que... on va avoir besoin de nos ATGM par là-bas au final. Venez par là, vous. On peut faire venir d'autres réserves, excellent. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire venir? Des hélicoptères, de l'artillerie, on n'en a pas, des chars. On va prendre le Sherman et Mer 1. On peut faire venir plein de véhicules de combat, donc de la tourelle lourde. Ça c'est parfait, on prend deux tourelles lourdes. On prend du Bradley. Du Bradley, alors avec un blindage pertinent. Donc toi t'as un blindage de merde, on va plutôt prendre lui. Ok, on a deux plateformes lourdes qui sont pas du tout prêtes par contre. On va les réapprovisionner, tant pis. Là on est à 50 eaux, ça coûte combien à réapprovisionner? 3000, il nous reste 9000, ah, putain. On va faire sans les taux pour le moment, il a un canon, ça sert à ça. Du transport blindé, ah on peut amener du ravitaillement cela dit, mais en ravitaillement du coup il nous reste que lui, quasi vide. Bon, on va les prendre au cas où pour pas être à sec, quitte à les laisser un peu derrière, et si jamais on nous fait rien rentrer d'autre au moins on aura un petit peu de trucs. Niveau troupes on est déjà bien, hein. Donc on va prendre, toi t'as du taux, vas-y viens. Et on va te mettre plus de troupes, un peu plus d'antichars. Visiblement, ils ont envie de nous envoyer du lourd. On va prendre de l'ingénieur, on va essayer de miner les sorties, si on peut. Et on va prendre du Malboom. Voilà, très bien, ça c'est pas mal. Allez, venez. Du coup, vous êtes en train de vous déplacer, là on largue les troupes. Là, il y en a deux véhicules, du coup, le char et une petite spider à la con. Toi... ah, ok. Demolition charges. I'll request assistance from Actual when his forces arrive. Ah ouais, parce que là, t'es un petit peu trop avancé, toi. Stop, arrête-toi. Ouh, le tir au but du canon, là, excellent. Allez, un saut. Ah putain, il est encore dans le mal avec son saut. Ok, recule. On va laisser l'Abraham s'en occuper. On a détruit son canon, déjà, ça fait plaise. Là, il doit y avoir les petits drones qui sont sortis pour le réparer. Pas encore. Bim! Ça, ça calme. Ouais, bon, attendez un peu, c'est encore un peu la teuf là. Ah lui, il s'est mis carrément tout là-haut avec son canon sans recul, excellent, il a de la portée. Oh oui, excellente portée là. Bon, il a pas beaucoup de munitions, mais excellente portée quand même. Alors ici, on voit du monde. Un autre tank. Ok, alors on est un peu en tas là s'il décide de nous tirer dessus. On voit le Sherman. On a un Bradley mais qui n'a aucun blindage. Le HEMTT carburant, bah, il va rester ici. Une plateforme lourde. Ah mais pourquoi je l'ai pas rempli. Putain. C'est celle qui était avec le HEMTT ça. Je l'ai oublié. Bah du coup le camion de ravitaillement il va se déployer là. Toi tu t'arrêtes. Le transport blindé. Et bah je pense qu'on va devoir tenir par ici du coup avec toi. Donc par là. Le Bradley c'est bon. On va envoyer
Une plateforme lourde dans le coin, ça serait quand même intéressant, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Alors, vous là-dedans. Après, si on pouvait pirater ce machin, c'est clair que ça ferait plaisir. Hein. On va pas se mentir. Désactive ton taux, toi j'ai pas envie que tu tires sur n'importe quoi, n'importe où. Bon, faut que ça bouge un peu, qu'on voit un peu ce qui se passe là. Parce que c'est un peu trop le bordel. Notamment, où sont mes chars? Normalement j'avais des Abrahams là, non? J'avais pas un Abrahams? Peut-être pas. Ici on l'a défoncé, ici on lui a fait mal. On a détruit son canon, excellent, on tire. Ça c'est mort. Alors là on voit du monde. On voit du monde, un truc avec un SWO. Ou le petit taux qui passe là. Ah il s'est arrêté, zut. C'est qui? C'est toi qui as tiré avec un taux là? Ah, c'est toi. Calme-toi. Ce tank là j'aimerais bien voir si on peut le choper. Franchement ce serait intéressant. L'artillerie. L'artillerie elle est à la portée là? Pas tout à fait, mais on pourrait envisager de retirer un peu ça. Ici on descend les troupes. Le Sherman, il va se mettre en position par là. Le Bradley, il fait rien. Vas-y, viens par là. Quoi avec ta tourelle lourde? J'aimerais bien te voir ici, en vrai. Derrière, voilà. Derrière, il y a Mer 1, là. Mer 1. Bah Mer 1, elle va peut-être t'aider sur ce flanc, au final. Encore un tout qui part, bon ok. On va pas prendre ce tank, je pense. Alors, vous. Alors là-bas, je voulais miner ici, mais ça m'a l'air d'être quand même un peu compromis. On va essayer de se faufiler dans le dos. Ceux qui sont en train de s'installer là, c'est les squads ATGM également. On se fait tirer fort dessus. Ici, ça donne quoi? Le char, il tient. Hein. Il résiste, hein, la petite saloperie. Hein. Le Bradley, là, il en prend plein la mouille. Il faut qu'on aille prendre le contrôle du point d'entrée quand même. Le tank est géré. Ok, excellent. J'aurais préféré le capturer, mais on va faire avec ce qu'on a, comme on dit. Toi, bien en position par là-bas. Qui reste derrière? Une plateforme lourde qui doit être portée par le véhicule tracteur. Ok, très bien. On en a déjà envoyé une par là, une plateforme lourde. J'ai pas l'impression. Viens donc la dropper par là, toi. On a envoyé une par là-bas, normalement. Donc toi, tu vas la dropper ici. Là, on va aller poser l'artillerie. Là. La tourelle, on va la poser là, dans le jus, n'est-ce pas? Le Bradley, on va l'avancer un peu maintenant qu'il n'y a plus de char pour renforcer un peu. Alors l'autre, elle s'est un peu re-rempli, ouais, pas des masses. Hein. Donc là, il y avait un MV qui était censé aller chercher ça. Vas-y, viens chercher ça. Là, on est vide, bah écoute, du coup, c'est fait, comme ça au moins, pas emmerdé. Il faut qu'on fasse tomber ce tank pour pouvoir progresser, hein, parce qu'on est censé passer par là, du coup. Du coup, j'aimerais bien que mes ingés, en fait, ils arrêtent de faire n'importe quoi. Utilise ton taux pour shooter l'araignée, s'il te plaît. Voilà. Merci. On y va. Ici, ça continue d'allumer. Le tank, il arrive à se réparer, hein, le petit enfoiré. On n'arrive pas à les shooter, malheureusement. On va envoyer ces deux-là en frontal. Enfin, toi par ici. Les snipers, du coup, ce serait bien qu'ils soient là. Et vous?
J'aimerais beaucoup que vous me mettiez des mines antipersonnelles. Tout là. C'est bien de l'antipersonnel, ça, c'est gros, non? Non, c'est ça. Voilà, tout là, s'il vous plaît. Bougez-vous le cul. Alors, toi, t'as plus de munitions. Sérieusement, t'as tout utilisé, là? Ah, mais putain, mais il doit se foirer ses tirs, ce con. Oh, la vache, la plaie. Ok, si. En fait, c'est juste qu'il est hyper solide. Il arrive à toucher, mais c'est juste qu'il est hyper solide. Bon, on va avancer un peu, là. Pareil pour toi, faut que t'avances, toi aussi. Faut qu'on fasse tomber cette saloperie, là. Vous, il vous reste des munitions avec votre sou, là? Défoncez-moi ça, là. En plus, il y a des mecs qui arrivent derrière. C'est quoi ça? Ah non, putain, j'ai cru que c'était un ATGM qui allait vers mon Abrams, mais non, c'est l'artillerie qui est en position. Là, on pose des mines, parfait. Est-ce qu'on peut risquer d'envoyer les ingés devant, là? Toi, tu vas te replier un peu par là pour pas être non plus trop exposé. Toi, tu vas te mettre par ici. Toi, avec tes taux, on va te foutre entre ces deux bâtiments. Qui nous reste derrière, du coup? Alors, il nous reste... sec et à sec. Bah, du coup, c'est à sec, donc j'ai envie de dire... voilà. Tac, tac, tac. Il faut qu'on avance, il va nous falloir du soutien par là. On va envoyer du monde, parce qu'on doit continuer de prendre la ligne. Hein. Mine de rien. Toi, c'est pareil. Viens par ici. Donc, on a une tirelire lourde qui nous servira à rien, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ouah, pareil, tu sers à rien là où t'es. Viens par ici. Ok, on a réussi à shooter cet enfoiros. Nickel. Donc vous avez fini de mettre vos mines. Courez donc par ici. On va essayer d'aller miner un peu cette zone, si on peut. Ici, on répare, et l'objectif va être d'avancer. Le Bradley, on va le mettre par là. On est en train de prendre position dans les bâtiments. Les snipers sont en place. L'artillerie est en place. Toi, on va te mettre là. Ici, on a de la force pour tenir. Le camion galère un peu à faire demi-tour. Pour l'instant, on voit personne. Vous essayez d'aller là-bas. On va essayer d'aller poser des mines devant la grosse sortie, tant qu'à faire. Ok, on va prendre un petit risque, on va sauvegarder avant. On va aller se mettre là-bas, et on va prendre nos rangers, qui sont là. Et on va aussi leur demander d'aller se mettre là-bas. On pourra peut-être balancer des grenades IEM sur ce qui tombe, sur ce qui sort, et les pirater plutôt que les détruire. Par contre, il faut qu'on progresse là. Donc vous, en avant. L'infanterie, pareil, en avant. Est-ce qu'il n'y a pas des petits SWO à ramasser? Ils vont être tout derrière, hein. Ouais, ils vont être tout là-bas. Donc pas intéressant. Et ici, il y en a un, mais pareil, c'est loin. Donc tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Alors il y a un petit bruit de compteur GGR quand on se rapproche de cette zone-là, c'est sympathique. Ok, on voit du monde. Par là. Ça, c'est pas hyper pertinent comme manière de tirer. Il faut qu'on ouvre l'angle de tir. Hop. Avancer un peu. Là, pareil. Là, on a quand même une grosse force, là. C'est peut-être pas nécessaire. On va en envoyer un peu plus par là. Toi, avec ton frag... On va dire que là on couvre quand même plutôt bien cette zone, mais on va laisser le machin dans le coin quand même. Ouh, putain, il tire sur des trucs. Alors toi doucement. Hein. Il
Ok, ça explose, mais la même... Si, on a eu le swo, ça c'est cool. On a eu le swo. Parfait. Vas-y, avance jusque-là. Toi, avance jusque-là. Il y en a d'autres qui arrivent ici. C'est de la meute de loups, pas de problème. Ici, il faut qu'on progresse. C'est où qu'on doit prendre? C'est cet endroit-là qu'on doit prendre. Ok, donc... Et où est-ce qu'on peut faire demi-tour? C'est par là. Allez-y, avancez. On n'a pas beaucoup d'infanterie pour tenir. On peut ramener un peu plus d'infanterie. Je crois qu'il va être temps, là. Il nous faut du transport. Deux transports blindés. On va prendre du Ranger. Du Ranger. Dans celui-là, on va prendre de l'infanterie et un snipe. Encore du transport. Dans celui-là, on va prendre un petit peu d'anti-char, un petit peu de lance-roquettes. Une milice. On n'a pas de place pour une milice. Ah oui, on est à 7 sur 11 déjà. Dans ce cas-là, on va prendre un brouillard. Voilà. On a encore un peu de place. On peut prendre un char de plus. On peut prendre un char de plus. Et puis, bah, du coup, le dernier Bradley. Et une plateforme de tir. Et il nous reste de quoi mettre du monde dedans. Donc, on va prendre, pour mettre dans le Bradley, là, on va prendre Hardar. Voilà, on est parti avec ça. Ils apparaissent ici. On allume. Il y a les petits chiens loups ici, ça me gêne pas trop. Alors, les transports de troupes. Du ranger ici et de l'infanterie du snipe. C'est parfait. Vous allez venir vous rendre par là. Là, les rangers sont en position. Allez-y, traversez par là aussi. Essayez de vous placer ici. Si des trucs sortent, on allume. Là, faut être capable de me buter ces enfoirés, là. Ouf. Ah ouais, il y a du swo là. Fuck. En arrière et la priorité c'est eux là. Toi, ramasse ça, tu vas avancer. Toi, ramasse ça, viens par là. C'est bon, il est géré. Les chiens loups, on va les défoncer. Ça ne me dérange pas trop. Ici, ce serait bien de réussir à se débarrasser de lui. Mais on n'a absolument pas la portée. On est trop loin. Donc il faut qu'on récupère notre petit tracteur, là. Le minigun, enfin le raygun, il sert à rien contre ces gens. Dans tous les cas. Donc ici, on va pas mettre de mine. On va voir si on peut tenter la prise. Même si j'y crois pas trop. Ok, toi tu vas rester là. Et on va y aller avec les deux véhicules là, légers, un peu plus légers en tout cas. Cet endroit est absolument pas protégé, mais il n'y a pas tant de moyens qu'ils arrivent, cela dit, un peu par ici, mais c'est pas non plus dramatique. Alors, déployons-nous. Bon, lui on va le pousser, juste histoire qu'il traîne pas dans le chemin. Là, on a du monde anti-tank. Où est-ce qu'on aurait besoin de renfort? Prendre ces bâtiments éventuellement. Prendre ces bâtiments là, sinon. Ok, viens par là. Une autre plateforme lourde. Un autre Abrams. Un autre petit Abrams pour tenir ici. Ça me ferait bien plaisir. Avec un Bradley et de l'infanterie. Alors l'infanterie, on aura besoin de là. Hein. Une infanterie capable de nettoyer. Donc pointe-toi par là. Toi, tu vas te pousser pour qu'on arrête de te confondre. Du coup, on va avoir une plateforme lourde ici. Une autre qui couvre ce truc-là dans notre dos. Là, on a une plateforme légère. Il nous en manque une plateforme lourde, là. Elle est où? On avait un deuxième tracteur, non? Toi, t'es là. Peut-être pas. Il semblait qu'on avait un deuxième tracteur. Bulldozer, pardon. Autant pour moi alors. Peut-être pas. Ou je l'ai pas fait venir.
Du coup, on aurait besoin d'une plateforme lourde là, je pense. Ce serait pas mal. Donc toi, tu vas venir ici. Vous, vous êtes un petit peu en train de faire n'importe quoi. Pointe-toi là. Toi, c'est pareil, la plateforme légère, tu vas la poser ici. Le petit véhicule HIT, il se met par là. Notre artillerie, elle est où? Ici. On est peut-être un petit peu trop proche du bâtiment là. En vrai. Allez, il reste plus personne ici. Parfait. Donc là, on répare. Là, il reste l'enfoiré qui est ici. Il y a peut-être moyen de se le faire. Ou pas. Allez, viens poser ça là, toi. Ah, là, on se fait tirer dessus. Par quoi? Quelque chose qu'on a allumé. Parfait. Ici, il y a un truc qui sort. Non? C'est où? Ah, ça, c'est un truc volant. Ah la vache. On a du SWO, il est en train de charger. Alors c'est clair que celle-là on va pas la pirater. Ah il se barre trop loin. Putain. Ok. Là aussi on en avait. Bon il a pas eu le temps de charger, on l'a eu à l'ancienne. C'est plutôt bien. Alors vous. Mine anti-char, s'il vous plaît. Tout là. Toi, t'as déposé ta plateforme, tu vas te foutre à l'abri entre les bâtiments. Ici. Vous, vous prenez cette zone. Voilà, on a un peu de Bradley. Là, on est un peu proche quand même de l'autre copain. On va reculer derrière la plateforme. L'Abraham, il peut avancer un peu. Ici, il nous reste quoi? Ça et ça. Ok, très bien. Ici, on dirait qu'on a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. On va s'approcher doucement. Ah, il y a un truc là. Plateforme de transport armé. Toi, c'est pas forcément le plus adéquat que tu sois devant. Ok, il en veut à mon striker, sans surprise. Désactiver ça. Le moteur ici. Réparer. Voilà, parfait. Ok. You use demolition charges on those gates, and we might damage the factory facilities there. I want that place taken intact. I thought our goal was to destroy the factory, sir. Hello? Sir? You there? Qu'est-ce que tu crois, toi? T'es con ou quoi? C'est plus leur objectif de tenir. Bon, du coup, on va se récupérer une tourelle. Ok, il y a un truc qui est sorti, j'ai même pas eu le temps de voir. Alors, on va larguer du ranger par là-bas. Et ici, vous, vous allez plutôt venir protéger cette zone-là, si possible. Ici ou là? Là, il y a de la saloperie, là. On doit tenir la zone, hein, ça sous-entend une potentielle contre-attaque, donc on va attendre que eux sortent, voilà, et dès qu'ils sont sortis, on progresse. On va lâcher les troupes ici également. On va envoyer un petit véhicule à plasma pour tenir là. Un peu dans l'angle mort là. Toi, t'as récupéré ta grosse toutoune. Tu vas la poser là. On va laisser la plateforme légère et un Abrams pour aider. Ça devrait le faire quand même. Plus tout ce qu'on a à côté.
Quoi, tu fais rien avec ça. Okay. Où est-ce qu'on serait intéressant de le poser, ce truc-là? Pour le moment, pas vraiment d'endroit, en vrai, on est plutôt bien défendu. On pourra mettre un peu de léger dans la dans le coin, là. Pour tenir. Allez, hop, c'est parti. Une plateforme légère par là. Toi, tu peux te mettre... Tu peux te mettre où? Bah là-bas, éventuellement. Vas-y, roule jusque là-bas. Là, l'artillerie... Je pense qu'on va la déposer par ici. Alors c'est un peu exposé de ça, non? On va pas la déposer là. Merde. Reviens toi, hop, on va la déposer plutôt là, sur ce parking. C'est quand même bien protégé par la ligne de devant. Alors, on a un bâtiment avec plein de monde dedans. Ici. Ah oui, ici. Est-ce pertinent de remettre du monde ici? Je ne suis pas convaincu. Éventuellement plutôt là. Vous, vous pourriez aller prendre cette zone. S'il y a moyen de déployer du saut, je pense que vous serez utile. D'ailleurs, en vrai, vu que le saut est... Ils ont du mal à tirer depuis les bâtiments, j'ai l'impression. On va les lâcher différemment. Là, on a du saut aussi. Donc, on va venir se poser là, allongé là, dans le petit parking. Vous allez là-bas. Et ça, c'est brouillard 2. Brouillard 2, ils vont aller là-bas aussi. Finalement. Là, on garde le canon sans recul pour ici. Et ça, pour gérer ce qui pourrait venir de ce coin-là. Pareil, l'infanterie, là, est plutôt bien placée, je pense. Ok, on a donné nos ordres. On va arrêter l'épisode pour le moment. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.